Bonjour, ici Marc de chez Hollandais pour vous présenter l'Accent 2020 version essentielle confort. Celle-ci est de couleur argent, alors à l'arrière on peut bien voir que c'est un modèle à haillons. Si on se dirige vers l'entrée du véhicule, il faut faire l'entrée à l'aide de la clé. Alors on déverrouille et puis ensuite on peut ouvrir la porte. Si on entre à l'intérieur, on va regarder, allons regarder les contrôles. Dans la portière, c'est-à-dire que de ce côté-ci, on a un bouton pour ajuster les rétroviseurs de côté. Alors, un bouton pour gauche, choisir gauche ou droite. Ensuite, les flèches directionnelles pour diriger le rétroviseur. Derrière ça, on a un bouton pour nous permettre de verrouiller les fenêtres du véhicule. Ensuite, le contrôle des fenêtres, autant à l'avant qu'à l'arrière, contrôle automatique. Alors, ce sont les contrôles pour les fenêtres et les rétroviseurs de côté. Maintenant, allons du côté du tableau de bord. Nous pouvons apercevoir de ce côté-ci une ampoule électrique avec un signe plus ou moins. C'est pour régler la luminosité du tableau de bord, donc augmenter ou réduire. Ensuite, à côté, on a une voiture qui dérape. C'est pour nous indiquer la fonction de l'antidérapage. Et c'est toujours en fonction par défaut. Pour l'enlever, on doit appuyer sur le bouton pour le désactiver. On va maintenant à côté du volant, le bras de... On voit ici le bras pour les signaux, alors les signaux lumineux. Alors, pour tourner à droite, on lève vers le haut. Pour tourner à gauche, on descend vers le bas. Et ensuite, on a le contrôle des phares aussi, en tournant la roulette de cette façon-ci. Alors, les phares de jour, les phares régulières. Pour activer les phares plus puissantes, il faut pousser le levier vers le fond de la voiture, vers le tableau de bord. Alors, c'est assez simple comme procédure. Sur le volant maintenant, de ce côté, du côté gauche, on a un bouton pour mettre en silence la radio, pour choisir le mode AM, FM ou tout autre appareil qui est jumelé, le contrôle du volume et le contrôle des chaînes. Pour le téléphone Bluetooth, eh bien, le bouton ici du téléphone ouvert pour prendre un appel lorsque ça sonne et le bouton avec le téléphone fermé pour terminer l'appel. Si nous allons du côté du tableau de bord relativement simple. Je ne sais pas si on peut bien le voir à l'écran. Alors, au centre, on va voir les informations au sujet du véhicule, le kilométrage, etc. Et puis, ensuite, le réservoir d'essence, la chaleur et les révolutions par minute. Alors, ça nous donne toutes ces informations-là. Du côté droit, maintenant, du volant, à l'arrière, on a le contrôle des essuie-glaces. Alors, un contrôle normal, on lève pour activer les essuie-glaces et pour mettre du lave-glace, on tire vers nous. La roulette au bout, c'est pour contrôler l'essuie-glace arrière. C'est le même principe. On tourne la roulette pour sélectionner la force désirée ou l'arrêter. Et puis, pour activer le lave-glace, bien, faut juste... C'est la même chose. On tire vers nous. Alors, ça, c'est pour les essuie-glaces. Du côté droit du volant, on a une commande pour ajuster l'odomètre de voyage. Donc, trip pour l'odomètre de voyage, reset pour le remettre à zéro. C'est tout ce que il est nécessaire de savoir ici. Pour la radio maintenant, au centre de la console, le bouton pour mettre en fonction la radio. Alors, on va le faire de ce côté-ci. Et puis, ensuite, on peut sélectionner les chaînes. Alors, si par exemple, on veut la chaîne 89.9 présélectionnée, on appuie sur le bouton ici et jusqu'à ce que ça soit, on entend un signal sonore et ça nous permet de régler, de synchroniser la chaîne que l'on cherche. On cherche le média, c'est pour trouver un poste de réseau. Trac, c'est pour choisir une piste sur l'appareil jumelé. Le téléphone pour le jumelage du téléphone. Et le setup, ça nous permet de changer les différentes fonctions comme la langue du tableau de bord et l'heure de la journée, etc. À droite, bien, c'est le bouton pour changer la synchronisation des différents postes de radio. Voilà. Ensuite, la climatisation ou le système de refroidissement, on a complètement à gauche la roulette qui contrôle la température. Alors, plus c'est bleu, vers le bleu, plus c'est froid. Vers le rouge, c'est plus foncé. Au centre, le contrôle du ventilateur, la vitesse du ventilateur, on appuie pour le bouton pour l'air climatisé. Ensuite, le bouton des feux d'urgence.
Et on a la direction de l'air, soit qu'on veuille avoir l'air directement sur les passagers, en combinaison au sol et vers les passagers, et vers le sol seulement. Ici, on a le dégivreur avant et la possibilité d'avoir de la chaleur en direction des passagers. Le bouton Drive Mode, ça nous indique si on veut, qui est ici, ça nous indique si on veut voyager en mode sport, normal ou économique. Alors, en économique, ça utilise moins d'essence. En mode sport, ça maximise la puissance, mais ça consomme un peu plus de carburant. En dessous de ça, on a une console où une prise auxiliaire, une prise USB et une prise 12 volts qu'on peut brancher ici. Alors, l'autre n'est pas fonctionnel. Le bras de vitesse qui est ici et le frein d'urgence qui est au centre avec le bouton au bout pour le désactiver. Pour ce qui est du contrôle du plein d'essence, le contrôle de l'essence, mais c'est au sol, à côté du siège. On va le voir ici. Juste ici. Ça, c'est pour le levier pour la porte du réservoir d'essence. Alors, voilà, c'était la présentation de ici, en haut, il y a une place pour des verres fumés. Et puis, on peut refermer. Les lumières intérieures peuvent s'allumer simplement en appuyant sur le bouton. Et le bouton au centre, ici, on l'active pour contrôler, le faire en sorte que ça se fasse automatiquement. Ou à gauche ou à droite pour le côté désiré. Alors, ça complète ma présentation pour l'Accent 2020 version essentielle confort.